La dernière fois que les deux joueurs s'étaient rencontrés, Roberto Bautista Agut avait été monstrueux. Il avait tenu le choc physique imposé par Novak Djokovic pour le battre en demi-finale à Doha, 3-6, 7-6, 6, 6-4. C'était il y a 2 mois et demi. Une éternité à en juger par le début de match de l'Espagnol, mené 4-0 en à peine un quart d'heure. Et c'est pourtant redevenu une réalité au fil d'un match où Urba est parvenu à se remettre dans la partie. Jusqu'à profiter des errements du N de gré un mondial de plus en plus passif face au pilonnage adverse. Déjà battu par Kochrebe d'entrée à Indian Wells, le Serbe n'a pas réussi à retrouver l'élan dans une ville où il a glané 6 titres. En tant que N de gré un mondial, il n'avait perdu à Miami qu'une fois en 23 rencontres. Comme Tommy Haas en 2013, Bautista Agut a réalisé l'exploit. Totalement hors du coup, notamment au service, l'Espagnol a ensuite réussi à entrer peu à peu dans le match. Ça ne l'a pas empêché d'être mené 6-1, 1-0, break. Mais Djokovic, imperturbable jusque-là, a alors commencé à rater un peu et les débats se sont équilibrés. Bautista Agut, combattant acharné. Urba a débraqué immédiatement puis tenu son engagement tant bien que mal, 4 balles de break écartées, jusqu'à mener 5-4 au deuxième set, moment où une averse a renvoyé les acteurs au vestiaire. De retour sur le court, Djokovic s'est procuré une balle de break à 5-5, que l'Espagnol est parvenu à sauver sur une attaque en coup droit mal maîtrisée par le Serbe. Et c'est à ce moment-là que les choses sont devenues compliquées pour le N de gré un mondial. Il sauve une première balle de 7 sur une deuxième balle très osée, mais perd la manche sur un mauvais coup droit. Dans le troisième set, le Serbe est le premier à se procurer des balles de break 1-1, en vain. Tandis que Bautista Agut, pas très fringant depuis son quart de finale à l'Open d'Australie, retrouvait ses caractéristiques de combattant acharné capable d'imprimer un gros rythme aux échanges. Une double faute de Djokovic lui permettait de prendre l'avantage à 3-1. Le Serbe, un peu éteint, coupable de bourdes inhabituelles, 4 balles de break converties sur 13, revenait quand même à la faveur d'une double faute de son adversaire. Avant de perdre une nouvelle fois son engagement, sur un brelant de faute directe révélateur de son état du jour. Cette fois-ci, Bautista, qui s'essayait même au service volé, ne lâchait plus sa proie. Il bouclait le match sur une attaque longue de ligne en coup droit, laissant Djokovic pantois, pour retrouver le tenant du titre John Isner en quart de finale. Le N de gré un mondial avait marqué un point de moins que son adversaire mais laissé là quelques illusions.